Coucou les filles, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans le jour numéro 5 des calendriers de l'Avent et aujourd'hui, je vais commencer par celui de Nathanaël. Alors, le jour numéro 5. Je ne me lasserai jamais de voir les pochettes super bien décorées de Nathanaël. Donc le jour numéro 5, il est là. Hop. Donc on a, je pense, une breloque. Ouh. C'est une magnifique machine à coudre en rose. Elle est super jolie. J'adore. Merci beaucoup, Nathanaël. Tac, ça je remets là-dedans. Hop, et voilà pour le numéro 5 de Nathanaël. Touc. Où c'est que je vais te poser? Là, juste à côté. Ensuite, n'importe quoi. Le jour numéro 5 de Caro. Oh, j'avais oublié un sachet de thé, il était resté coincé. 5, 5, il est là. Bon, est-ce que je peux mettre le 10? Oui, comme ça. Hop. Parce que du coup, il m'embête un petit peu. Alors, le jour numéro 5, je pense que je vais par là. Ouais, mais par là, il n'y a pas grande marge ici, mais il faut que je sois vraiment à ras. Caro, tu m'as fait des pièges. Je vais couper là, mais vraiment à ras parce que j'ai l'impression que ça va jusqu'au bout. Ah non, c'était le bâton. Hop, donc le 5, on est bon. Et donc, ouh, quelle jolie Memory Dex. Donc Caro, elle me disait que en fait, elle était restée donc dans le thème Noël. Et elle a essayé, disons qu'elle s'est mise à un petit fil rouge, elle est restée dans les couleurs rose et gold et blanc. Donc en fait, toutes ses Memory Dex, elle est restée sur les mêmes couleurs. Et franchement, chapeau parce que elle en a fait des différentes, elles sont trop trop jolies. J'espère que vous verrez bien, il fait nuit et pourtant il est 10 h quoi. Ouais, si vous allez bien voir quand même. Donc elle a mis des petites fleurs comme ça qui sont faites à la Cricut, il me semble. Enfin, Cricut ou Silhouette ou peu importe. Hein. Et en tout cas, une machine de découpe de ce genre. Caro, merci beaucoup, elle est magnifique. Et... Attendez, je suis perdue. Là. Et elle m'a mis... comment ça s'appelle? Décalcomanie, je crois que c'est ça. Il me semble que... Non, je crois pas que je les ai, ceux-là. Donc, en fait, c'est les feuilles comme ça qu'on frotte avec un petit bâton de bois. Mais tu m'as mis plein de choses, toi. Moi, j'ai pas fait comme... Enfin, j'ai pas fait autant en cadeau. C'est pas grave, il faut que je leur envoie un truc que je... je vais me rattraper. Et voilà pour la deuxième planche. Il me semble que... Attendez, parce que ça me dit quand même quelque chose. Je suis là. Je me suis juste retournée. Si je retrouve normalement, ça devrait aller vite. Ah non, bah c'était pas les... C'est pas l'idée qu'elle commet. Non, bah, j'ai rien dit. Je
pensais à un truc, mais en fait, non. Eh ben, Caro, merci beaucoup. Par contre, je vais peut-être mettre une... J'ai pas de trombe. Toc. Merci beaucoup, Caro. Je te fais des bisous. Tac. Eh ben, on va finir par Gaëlle, parce que Gaëlle, c'est une boîte à lait. Donc, on va mettre un... je vais mettre un peu plus de temps à ouvrir. Donc, je vais déjà faire celui de Magali. Numéro 5. Bon, je pense qu'il va être de l'autre côté. Ah non, il est là. Numéro 5, il est là. Donc là, on a un joli tamponnage. Je vais couper en haut. Enfin. Ou sur le côté. Ouais, peut-être sur le côté. Et pareil, vraiment tout fin parce que... Oh, on a des dies. Alors, je remets tout de suite le 5. Et on a des dies feuillage. J'adore, je les ai pas. Top, top. Celui-là, je l'adore. Ah ouais, super. Puis celui-là, là, pour des petits embellissements. Merci beaucoup, Magali. Franchement, super idée. Trop bien. Trop, trop bien. Toc. Magali, je te fais des gros bisous. Et merci tout plein. Ensuite, ma petite biche. 5. Ben, le 5, c'est ici. Toc. Alors. Donc là, c'est une breloque, logique, puisque c'est un calendrier breloque, nous. Et qu'est-ce qu'on a? Alors, on n'en a pas qu'une. Ouais, c'est bon. Hop. Hop. Alors, on a un coquillage. J'adore. Je n'ai pas de coquillage et une toute petite étoile. Ça, c'est cool. Merci tout plein, ma biche. Je suis trop contente. Et il en faut peu pour être heureux, hein, comme on dit. J'aime trop, là, son gros lot rose. Il est trop cool. Et donc, aujourd'hui... pas d'indice puisque j'ai déjà deviné, c'est une boîte à lait. Alors. Ouh la beauté. Ouh loulouloulou. Oh, elle est trop belle. Waouh, regardez-moi ça. Ah, oh, c'est une trop bonne idée ça. Oh, mais elle est magnifique. Un joli bonhomme de neige là en shaker. J'aime trop sa mousse. J'aime trop sa mousse. Et donc, sachez que... Ouais, et franchement, elle est magnifique, ta boîte à lait. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Sur le côté, elle a mis le papier... qui va trop bien avec la collection... une Frosty, et en fait c'est des papiers de chez Action qu'elle a utilisé et ils sont trop 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 jolis. Non mais s'il vous plaît, elle a même décoré l'intérieur des boîtes là. Non mais
Attends, je redresse un petit peu parce que. Voilà. Je pense que dans le transport, ça a un petit peu. C'est un petit peu abîmé. Et là, elle a mis des jolis nœuds. Et l'autre côté aussi. Alors, on avait fait ensemble le tuto. Parce que je lui avais demandé comment qu'elle faisait. Parce que je comprenais pas. J'avais beau reprendre sur les boîtes de lait qu'elle m'avait faites l'année dernière. Ben, j'arrivais pas. Donc, on avait fait une visio, on avait fait une ensemble. Là là. J'adore le shaker, c'est une trop trop bonne idée. Oh, j'adore. Bon, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, elle a mis deux petites clochettes, j'adore. Sur une pince. Attention, suspense. Ouh! Des pompons. Trop bien. Trop bien, parce que j'en ai pas. Avec Magali, vous avez refait mon stock, hein, franchement. Donc, on a du violet. Là, ça fait un petit peu rouge. J'hésite entre rouge clair et puis un peu rose. Rose. Ouais, je sais pas. Ici, il n'y a pas de doute, c'est du rose. Et ici, on a du bleu bien pétant. Merci, ma biche, j'adore. Hop. C'est des couleurs que je n'ai pas. Hop, je vais les remettre dedans. Je suis trop contente. Je vous ai fait bouger? Non. Hop. Oh, c'est génial. Il faudra que je les sorte de là parce que sinon, ils vont rester là-dedans. Et donc, ici, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Des bougies? Enfin bref, là, donc elle a encore mis un truc sur du beau papier là. Franchement, magnifique. Ah non! C'est des bobines. Mon là, mais elle est pas bien. Alors, donc là, j'ai 4 bobines. Donc, hop. Donc, on a une grise avec du doré. Ici, une grise et blanche. Et là, c'est les mêmes, mais en rose. Donc là, on a de l'argenté, par contre. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les chats? Et donc là, c'est en blanche et rose. Trop bien. Oh, c'est une trop bonne idée. Je vais les laisser comme ça. Et donc en breloque, mais t'es pas bien, hein. Il y en a déjà plein dans le calendrier. Oh là là. Elle est folle. Hop, alors donc qu'est-ce qu'on a? On a deux papillons. Ouais, deux papillons comme ça. En rose et en, je dirais, vert mint. Ils sont trop beaux. Si je les pose là, vous allez voir. Attendez, que je fasse rien tomber. Ouais, c'est un peu loin, mais vous voyez quand même. Je vais mettre sur du papier. Bon, j'ai pas de papier blanc à disposition. Celui-là, là, c'est du blanc. Ouais. Celui-là, c'est du blanc. Hop. Ensuite, on a des étoiles. J'en avais vu une autre. Allez, là. Donc, une grosse et une petite. Là, on a différents motifs, mais c'est les mêmes breloques en différentes couleurs. Une fleur. Je crois que je l'ai celle-là.
Celle-là non. Celle-là non plus. Celle-là non plus. Ah, bah celle-là, si. Du coup, tu me l'avais mise, je crois, dans les premiers jours. Si je dis pas de bêtises. On a deux petits parapluies. J'adore. Elles sont trop mimi. Merci beaucoup, ma biche. Et là, on a beaucoup de cœurs. En noir, en rose et en blanc. Mais pourquoi t'as pas mis ça dans le calendrier? Ça va pas, non? Je vais essayer. Je dis bien, je vais essayer, hein? Voilà. Je pense que vous voyez bien. Elles sont trop, trop, trop jojo. J'adore. Merci beaucoup, ma biche. Ouais, non, celle-là, c'est une dorée. Top. Franchement, top. Je vais pas les ranger, du coup. Je vais mettre avec celle-là que tu m'as faite. Et puis, hop, celle de Nathanaël. Les bobines, je vais les remettre dedans. En attendant que je range mon petit... Enfin, mon petit... Mon bazar. Et ce qui est trop bien, c'est qu'en dessous, elle a mis des pieds. Enfin, c'est des attaches parisiennes assez épaisses. Et ça fait des pieds. Et ça, c'est trop, trop bien. J'adore. Franchement, top. C'est une trop, trop, trop belle création. Ah ouais. Puis ton bonhomme de neige, là, il est trop cute. Ouais, j'adore ma biche. Merci tout plein. Je suis trop contente. Eh bien, les filles, merci infiniment. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Et puis, ben, je vous donne rendez-vous demain pour le jour numéro 6. Oh, on sera déjà le 6 décembre. Ça passe à une allure folle. Ouais, folle, folle, folle. On sera bientôt à Noël qu'on n'aura rien vu passer. Je vous fais de gros bisous. Et puis, on se donne rendez-vous demain. Bye!